J'ai parlé, on dit le général parle mal. J'ai parlé, on dit le général est jaloux. Je vous ai dit, appelez-moi le prophète. Depuis que Tiesco, le sultan, est rentré dans la vie de ma petite sœur Lolo Beauté, que j'aime tant, je vous ai dit, ce n'est plus la même petite sœur. La petite sœur décide d'aller s'épiler à la cire. La brûlure de la cire, le petit maillot, la petite sellette est tombée. Pet. On dit que tout est dehors. Ah! On m'amène des messages matin, soir, dit, oh, depuis ce matin, général, tu vois même, tous mes ennemis me m'amènent des photos. Général, il paraît que le pétou de ta soeur dehors, le pétou noir. Bon, les gars, moi, il y a une question à poser. Mais là, la scie est pas en défense de Lolo. On dit, oh, les Marcos, il y avait une fine, vilaine petite fille camerounaise qui fait souvent des vidéos là. Bonjour les amis. Il y a même eu sa vidéo tout à l'heure. Elle a dit, les Makosso, vous êtes décevants. C'est ta maman qui est décevante. C'est ta grand-mère qui est décevante. Quand moi, j'ai fait mes bêtises, c'est Makosso Camille qui a fait sa bêtise. Si Lolo Beauté a commis son erreur, c'est Makosso Louis qui a commis son erreur. Connais les Makosso, vous êtes décevants. C'est ton papa, ta famille, toute ton, ta mère continue de famille là, c'est eux qui sont décevants. Mais demande d'avoir bêtises et autres. Donc, actuellement, c'est gâté. Actuellement, qui a la page? Quand tu tapes Lolo Beauté, voilà. Pêcheur, je te connais. Je te connais. Ton mouvement Tiesco, là, c'est gâté. C'est en train de se gâter. Parce qu'on a vu Tiesco en train de tuer avec les filles. C'est un petit. Quand quelqu'un animé d'un esprit de sorcellerie, il ne peut jamais changer. Tu as fait rentrer quelqu'un dans ta vie. Voilà maintenant que les problèmes arrivent de tout part. Mais le mouvement qu'il y a vu là, affaire d'épilation à la scie, là, Lolo. Moi, je te connais. Toi, tu ne peux jamais faire direct dans ton intimité. C'est un coco. Tu veux nous distraire pour enlever notre esprit sur Tiesco pour nous ramener sur toi. Non. Faut venir nous expliquer. Puis, tu as fait d'abord vidéo. Non, je colle mon image à toi. C'est comment, pays, c'est mariage à 5 ans. Moi, c'est ce que j'attends. Les petites distractions. Oh non, on a vu partout de toi. Hey, toutes les femmes ont partout et on les mougou matin, midi, soir. Moi, je ne suis pas dans ces détails-là. Voilà, parce que Paytou, là, tous les jours, les gens vont regarder film porno pour voir Paytou. Paytou et Paytou. On voit Paytou du matin au soir. Donc, les petites distractions à deux balles, ils sont pas. Je veux savoir, Lolo, le mariage, là, c'est quand? Moi, je veux savoir. Maintenant, il fallait que tu as fait exprès. Pour moi, regarder la vidéo, j'ai mis ça en ralenti ici, le père. Tu as laissé tomber ta serviette exprès. Oui. Parce que tu veux que les gens parlent. Et comme tu as mis la scie, tu savais très bien que les gens allaient dire, oh, le pétou est noir. Et tu es revenu faire direct, tu as mis maintenant la scie pour fermer la bouche des gens. Pêcheur, ta marmaille ne prendra pas cette fois-ci. Je te dis ça droit dans les yeux. Les gars, partagez cette vidéo au maximum. Ta marmaille ne prendra pas cette fois-ci. Mouvement de Tiesco, là, c'est où? Je t'ai prévenu, hein. On ne pleure pas. Il est interdit de pleurer. Parce que si on pleure, c'est grave. Là même, c'est gâté. Où est Tiesco? La love story est devenue quoi? Hein? C'est devenu gourmet story. Il a dit, maintenant, t'es pilé. On s'est pilé pour rabattre son chéri. Mais le gars, il est dans la main de Pocle. Il t'a dit, pour donner à qui? Mais il faut te calmer, hein? Faut te calmer. Mais en même temps, j'aimerais dire à ceux qui m'envoient des vidéos, oui, il paraît que le pétou de ta soeur a été monté au dehors. Hé, ma petite soeur, là, c'est une fille qui est d'abord qui est une jolie fille. Voilà, les gens t'ont parlé. Oh, Lolo Guenon. Tous ceux qui l'ont vu en face, ils ont confirmé le coach. Ils sont quittés en disant, oh non, c'est parce qu'elle met les filtres qu'on voit qu'elle est claire. Elle est passée sur tous les plateaux télé. Elle a confirmé son teint. Mais elle vous dit, ça, c'est dit, maintenant, Pétou, vous verrez. Ah, d'accord. Allez vous-même faire Pétou épilation à la scie. Et puis, on va venir voir la couleur de ce que c'est. Maintenant, Lolo, il te parlé, il te posé une question. Ça, maintenant, c'est le grand frère qui parle à sa petite soeur. Est-ce que c'est tout on monte sur les réseaux sociaux? Mais quand c'est moi là, tu m'as dans ta caméra, oh toi tu es grand, tu es un homme de Dieu, tu n'es pas ça. Fallait pas parler de moi, ta vie là. Hein? Tu allais faire vidéo, tu parles de ton grand homme, comme si c'est ton petit. Ah maintenant, mais pétouin, on est en pétouin, on est en maintenant. Elle est dit, faut pas parler du Daïchi, elle pibe de haut, l'homme tombé du ciel sans blessure. Bah, il t'a vu, mais un ange, il a tapé la serviette comme pas le pétouin sorti au dehors. Là où ils ont fait vidéo même, ils sont en caleçon. T'as dit, si elle mal fait le jet de haut, voilà, caleçon de Makosso, son petit bangalais, au dehors. Bon, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. J'ai l'impression que Facebook veut nous rendre tous fous. On veut tout monter. Il y a c'est pas tout en monte. Fais attention, ma petite soeur. Fais attention. Voilà. Parce que finalement, après, ça sert à quoi?
Ça sera maintenant des mougouli, on est en train de mougou, et puis on se filme, on est sous la couette pour montrer quoi à qui. Tu dois quoi à qui? Tu veux impressionner qui ou quoi? C'est ta vie. Tu tentes plus le bon, c'est vrai, tu as voulu te donner un enseignement pour dire les femmes soyez propres et autres. Oui, mais ma chérie Coco, voilà maintenant la sirène est tombée. Ouais, voilà maintenant la sirène maintenant, elle est tombée. Le petit bain maintenant, il est tombé. Voilà. Voilà maintenant. Là, on est qu'à dire quoi maintenant? Et puis les gens m'envoient des vidéos parce qu'ils pensent qu'ils m'envoient vraiment mes vidéos. Non, Marco Sora m'avait dit qu'elle avait sorti 5 enfants de son poitou. Quand tu regardes sa forme, la maman a 5 enfants. On doit tous s'asseoir pour dire non, Lolo Beauté, tu es une belle femme. Ton corps est frais. T'as dit, comment quand tu montes tes frères, on sait qu'ils sont encore bien, bien durs. Maintenant, il y a une petite là qu'on appelle Akpaman. Toi, comme tu es bipolaire, tantôt tu changes, après tes anciens démons encore reviennent de autres. Pardon. En femme là, il y a ce qu'on appelle la solidarité un peu. Parce que le corps, le sexe d'une femme est sacré. Ta soeur est allée faire quelque chose, peut-être c'est tombé, quelque chose est tombé. Oh, même toi, prends ça comme un sujet de moquerie. Hein, c'est moquerie de quoi? Moi, c'est comme si on montre mes testicules au dehors et puis on se moque de moi. Jamais. Celui qui doit se moquer de moi, c'est celui qui lave ses testicules. Voilà. À bon entendeur, les gars, salut. Lolo. Ouais, Tesco. Le mariage à 5 ans. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Puis tu m'as tout montré, la love story sur les Champs-Élysées. Bisous par-ci, bisous par-là. On est dans piscine. Faut venir nous faire le bilan. À bon entendeur, salut.